Salut à tous, ici Edolophie, je suis en compagnie de Optimus T63. Salut. Bon, alors Optimus est un petit peu malade ces derniers temps. C'est tout à fait normal s'il a du mal à parler ou il tousse ou n'importe quel problème. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo GTA 5. Donc, vous n'y voyez pas excellemment bien, mais c'est déjà pas mal. La luminosité. Je crois pas. Il y en a qui m'ont dit que la luminosité, au contraire, aggravait les choses. Mais bon, on va peut-être voir. C'est bien comme ça. Normal, l'écran. Bah oui, regarde. Ouais, bon. C'est un peu... Je vais essayer, moi, comme ça. Menu. Oui, bon, là, on est en train de faire tout devant vous, donc désolé. Habituellement, on le fait de notre côté. Mais on est un peu pressé par le temps, là. C'est pas dynamique. Pourtant, je suis à la luminosité 0. Mais il faut que je fasse menu. Voilà. Ouais, bon, vous y voyez pas trop mal. De toute façon, s'il fait nuit, vous y verrez mieux. Bidouf. Voilà. Parce qu'on vient de regarder Link the Sun, le point culture. Et je m'étais jamais rendu compte que le Kenotor se nommait Bidouf en anglais. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette vidéo. Bidouf. Arrête. Elle durera 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, nous ferons les cons. 7 minutes 5, 30 un et 7 minutes 30 l'autre. Vas-y, commence. Donc c'est lui qui commence à faire le con. Donc il peut faire n'importe quoi comme conneries, genre les flics et tout. N'importe. Ça commence. Arrête avec ça, s'il te plaît, Optimus. Bon, il fait le con. On peut pas jouer à deux, puisque pour jouer à deux, il faut que chacun ait le jeu. Voilà, donc moi, je ne l'ai pas. Le jeu, c'est dommage. Bon, il y aura aussi un compteur de morts qui ne s'affichera pas à l'écran, mais nous compterons et nous ferons les résultats. Celui qui aura plus de morts au bout de 10 épisodes... Ouais. Perdra. Et celui qui perdra... On verra qu'est-ce que sera le châtiment, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ok. Donc là, on est d'accord là-dessus. Il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'on peut pas faire autrement. Et sauf pour la semaine prochaine, puisque là, on vous l'a fait sortir logiquement aujourd'hui. C'est-à-dire soit samedi ou soit dimanche, je sais pas, mais ça sera dans le week-end. Le week-end prochain, il y en aura une autre. Et après, on prendra le rythme une semaine sur deux. Donc, que veux-tu faire aujourd'hui? Déjà, samedi. Elle est bien la bagnole. Mais je m'en fous. Déjà, on va faire un truc. Ah oui, d'accord. T'as maté les flics? Non, non, pas du tout. T'as pas le taxi? Ouais. Pour foutre. Pourquoi il... Et t'as pas pris de repère? Ah, va à l'endroit que je pense et après... Enfin, va là et après va à l'endroit que je pense. Ok. Vous allez vous amuser, vous inquiétez pas. Non, non, non. Il veut pas te prendre si t'as une étoile de police, le taxi. J'ai essayé moi-même... Voilà. On est déjà à 4 minutes, ah oui, quand même. Bon, il te reste là-bas, à droite. Il te reste 5 minutes à faire le con. Ouais, mais en fait, je pense qu'on va faire 15 minutes chacun de faire le con. Bon, au début, on s'était prévu de faire. De chercher. Mais ça va. Ah, allez, on y est bientôt. Donc vous, vous y voyez pas trop mal, mais nous, vous inquiétez pas, on a une vision de merde. Surtout la nuit. Wow, vous y voyez parfaitement, par contre, vous. Tant mieux, hein. J'ai envie de dire, ouais. Donc une là... Voiture. Pourquoi faire? Si. Non, fais gaffe, il y a les flics. Juste devant l'aéroport. Moi, j'ai une idée. Va dans l'aéroport, il y en a non, des non, voitures. Non, mais t'inquiète pas. Je vais faire le taxi. Non, moi je vais pas. Y longtemps, c'est pour voler un taxi. Mais pas besoin, rentre directement dans l'aéroport, il y en a des voitures.
Oui, mais moi je veux pas ça, moi je veux faire le mec qui travaille. Ah, mais pas besoin, tu rentres un mois, on m'a rien dit la dernière fois. Oh, mais c'est chiant, moi une bonne voiture. Vas-y. Ah putain. Attends la prochaine voiture, si c'est un taxi, voilà. Ça sera pas un taxi. On va sur la gauche, là, il y a un taxi. Comme ça, tu feras le mec qui travaille. Vas-y, tu es Y, Pénard. Avec moi. Je suis désolé, mais c'est ma voiture, mais... C'est... Non, mais là, tu t'éloignes, hein. C'est derrière. Non, non, t'inquiète pas. Pour faire ça... Bon... Vous y voyez pas grand chose, mais là en fait il a pris sa petite voiture et il vole. Ma cousine elle m'a mis. Ah, belle vac and fly. Oh, je sens pas très bien la redonner. Chute. Ouais, tu vas tomber sur la tête. Ah! Ah non, ah non, ah non, ah si, ah si, ah si. En. Oh, va-t-il se garer? Mais non. Ben non. Très belle cascade, non? Non, puisqu'ils ont dit que tu t'étais raté. Mais bon, fous-moi, c'est une très belle cascade. Par contre, j'ai plus de roues. Bah, va à l'aéroport. Là, tu trouveras quelque chose de pourquoi t'as. J'essaye. Bah, c'est de l'autre côté. Non, non, c'est par là. Non, faut pas monter. Si tu montes, rappelle-toi. Ah, mais tu passes par là. Ouais. De toute façon, il y a des voitures à l'intérieur. Donc, c'est que ça, tu peux en piquer. On est où là? Dans l'aéroport, exactement où, je ne sais pas. Bah, non, va à gauche. Là, je suis pas dans le port. Non, dans le... Attends, fais start, hein. Bah, t'as un hélicoptère juste devant toi. Non, non, t'es en plein dedans. Le problème, c'est qu'au lieu d'être vers le fond, c'est un hélico devant toi. Ah non, c'est un gros avion. Mais à moitié pété. Là, faut que t'ailles vers la gauche. Ah oui, j'y suis venu, moi, en voulant échapper aux flics. Bon, moi, ce qui me fait rire, c'est que le mec nous a quand même laissé rentrer. Il a pas fait gaffe qu'on avait un pneu en moins. J'aime bien. Non, bonjour. Deux. Ah ouais, quand même. T'as tout pété, toi. Moi j'en aurais trop en plus. Encore, t'es pas fait exprès. Je me demande si on peut prendre les gros avions. Mais je peux si on peut. Le gros, la jeune qui est devant toi. Je vais prendre lui, moi je prends ma petite. Ouais, le petit d'habitude. RME, ben. C'est lui. Non, il est trop. Ah ouais, merde. C'est le gros. Il faut que tu continues tout droit là. Et tu vas un peu sur la gauche là, ouais. Ils y sont. À gauche. Non, 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 non. Elle meute pas les flics. Mais putain, ils l'ont. Là-bas, là-bas, au fond. Ah ouais, là-bas. Bon, désolé, mais bon, si on aurait une voiture qui n'aurait pas de pneus en moins, on irait un peu plus vite. Hé, hey, un avion qui décolle. Ah bah, c'est un poulet. Alors, sur où on va se retrouver? Sur Air Erler. Bienvenue aux passagers de Air Erler. Nous allons décoller direction. Monsieur le commandant, direction. Je sais pas. On y va. Je vous propose d'aller à la base militaire. Ok. Direction la base militaire. Allez, go. On vole. Non, pas aussi près du bord. Ah, tu sais que maintenant j'arrive à piloter un avion, j'arrive même à faire de la marche arrière. En volant. Donc, où se trouve cette foutue base? Logiquement, elle est là. Mais. Attends, toutes les fois où on y est allé quand même, il enlève tout le temps. Elle est là. La forme en couleur. Ouais, mais ça s'est effacé. On dirait que la carte elle a été mise à jour ou pas. Non, là, t'es en plein océan Pacifique. C'est là, là. Ah, ben, gauche. Non, gauche. Remonte. Mais t'es pénible, tu vas pas gauche normale, toi. Hein. Droite. Encore un peu au-dessus. Encore. La gauche en coup d'eau, c'est là. Fort en coup d'eau, c'est là. Allez, on va s'amuser. Oui. Non. On veut pas vomir. Bon, c'est 15 minutes, mais bon. Vous voyez, par exemple, on prend l'exemple de Porto Rico, ils font des ellipses avec des moments marrants, c'est pour ça que c'est bien. Nous, ça va être pas grand-chose, je sais, à chaque fois, mais bon. Je vais vomir. Tu sais que la dernière fois, j'ai réussi à prendre un hélico de la base militaire. J'ai pris l'hélico, mais 3 coups de tank dessus, ça l'a pas fait.
Ouah, j'ai la tête qui tourne, je vais vomir. Par contre, on n'arrive pas à utiliser les parachutes. Logiquement, t'en as un, si je me trompe pas. On peut pas en avion. On peut pas ? Logiquement, si tu sautes, si. Tu vas pas dans le bon sens, c'est un peu plus vers. Le... C'est non, c'est vers la droite. Là, t'es pile poil. Non, un peu à gauche. Non, c'est pas grave, on la voit bien là. C'est tout ce qui est clair. Ouais, le machin illuminé, c'est la base militaire. Nous allons atterrir. Faites bien attention, apportez votre gilet pare-balles. If. Bon, ben là, le problème, c'est pour atterrir. Bah, c'est pas compliqué, tu descends à fond la caisse et tu ralentis. J'ai réussi à me poser. Hein. Je me posais dedans, la base militaire. Bah, moi aussi. Mais là, non, là, t'es en train de t'en éloigner. Je sais. Oula. Faut qu'on se dépêche là. Vite, gare-toi. Fais pas péter l'avion. Mais t'es con! Mais t'es un malade! Énorme! Ah, énorme! Le coup du parachute. Il m'a sauvé le parachute. Ouais, le parachute, tu l'as activé. T'as pris le mur avant. Bon, ils sont où les cons? Ah, d'accord. Bon, ils sont où les Nélico? Il t'a vu. Moi aussi. Il y en a un peu plus à gauche. Là, avant qu'ils montent, de toute façon. Ils sortent un hélico. Bye bye. Non, mais prends un hélico. Mais je vais essayer de regarder où c'est. Ouais, il y en a un juste au-dessus. Oh oui, c'est un cargo bob. Oui. Vas-y, on lance roquette. Et là, on va se marrer. Genre, je crois a fait demi-tour, mais il est con. Bon, la base militaire, ils vont prendre assez cher dans le nez. Parce que vu le cargo qui leur tombe sur le nez, mais il est où? Ouah, mais ils tombent pas vite. Hein. Ah, si, ils sont montés, les cons. Ils ont réussi à monter, ces cons. Oh, les cons. Ils doivent avoir des échelles ou quoi? L'avion, juste en bas. Descends. Oh, oh donc! Moi, c'est ça que je veux! Aïe. Nous sommes désolés, les amis, il est mort et ça fait déjà 13 minutes. Bon, l'épisode sera déjà fini. Oh, on va essayer d'aller à 20 minutes, peut-être, ce sera un peu plus marrant. Non? Ouais, 20 minutes. Ça... Parce que 30 minutes, si vous voulez, comme on filme avec une tablette, le temps qu'on la poste sur YouTube, ça prend énormément de temps. Et comme en plus on a Allez, des petits soucis. Tu pètes jamais la bonne vitre. Moi, je vous amènerai à un endroit spécial aussi. Qui c'est que ça dit qu'on va avoir un fantôme? On n'aura jamais eu le temps en 7 minutes. Peut-être. Peut-être pas. C'est là? Non, c'est dans la montagne. On n'y arrivera jamais. Si t'inquiète pas, moi je vais monter. Avec ce truc? Ouais. Je vais pas s'en monter là. Oui! Allez! Optimus VS, le train. Vous savez qu'à un moment, il a duré 30 minutes. Je vais louanger tes exploits. Il a retenu 30 minutes sur un train contre les flics et le... 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. Par contre, il t'aime pas le train. Il te défonce. Oh, on attend le prochain. Oh, le prochain train, il va prendre cher dans le nez. Moi, je oh, tu viens de me donner une idée. En fait, faudrait qu'on se mette là, qu'on attende un train et qu'on saute, c'est sur le train. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais il monte pas aussi haut, quoi. Il faut jouer. Mais oui, bon. Non, mais comme ça, moi, je vois. Ça va être, je pense, la chose la plus épique qu'il y aura.
Non, là, tu y arriveras pas, faut que tu descendes en bas. Oui, non, mais c'est pour voir plus. Wow, roulé boulé. Ah oui, tu te rappelles, sur la caisse. Chiche de tirer dans le panneau stop qui est à droite de ta position. Ça. Gauche. Attends, tu vois le feu rouge là? Oui. Zoom. Là, ici? Ouais, juste au-dessus, il y a un petit panneau rond là. Au-dessus. Au-dessus. Ah oui, là. Tire. Si tu le rates, t'as perdu. Mais si tu l'as, t'es trop bas. Touché. Bien joué. Par contre, je pense que tu vas meuter tous les flics. Mais non. Non, c'est bon. Bon, j'espère qu'il va pas mettre 3 heures le train. Deuxième fois. Quoi? Je vais toucher une deuxième fois. Bien joué. Bon. Non. Le voilà. Ouah, j'aurais dû mettre une musique épique. C'est trop tard. Vas-y, saute. Maintenant. Oh putain, il est court celui-là. Il y a trois wagons. Vas-y. Geronimo. Mais non, mais il fallait sauter maintenant. J'entends le wagon. Oh. Oui. 20 sur 20. Oh, j'aurais dû mettre une musique épique et là je serais allé chercher ma tablette, j'aurais mis une musique épique. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, bon maintenant tu fais quoi? Ma façon. Oh. Pigeon. Wow, la bombe elle a un petit peu barré. C'est bon, une étoile. Allez, une étoile, les flics arrivent. Allez, remonte le train, à la force de tes bras. À l'attaque. Ouais, 1. 2. C'est bien. 3. Il va y arriver. 4. Tintin. Là, il faudrait une musique de James Bond. Non. Bouffon. Je rentrerai. Il est toujours en course. Eh ben non. C'était pourri. Mais vraiment pourri. Bon bah c'est fini je crois. Non il reste... 3 ouais. Minutes. Pour le temps qu'il reste, il va se passer. Ouh, t'es sérieux? Moi je veux le camion. Avec les flics au cul. Moi sur cette route... c'est pas comme ça. Ouf. Bon bah fini. 2 morts ça fait. Donc bon. Encore 2 minutes. Allez, 2 minutes, c'est bien parce qu'il a demandé Optimus. Parce que là, je suis désolé, il y a plein d'épique. Tu t'es foiré comme une merde. Non. Yeah. Mais je pense que moi, pour mon épisode de 20 minutes, puisque maintenant ça va être que des épisodes de 20 minutes, on préparera des musiques épiques à l'avance. Vous savez, genre on ira faire un truc, musique épique. Et on la refera pour ce temps. Il y a un orage, j'ai peur de l'orage. Je me demande si on peut être frappé par la foudre. Reste à terre. À terre. Regardez cette esquive. Oh. Allez, match à mort. Oh. Ouh. Rétamé le gamin. Oh, mais il est mort, il a même pas donné de fric, ce sale. Les gamins nous jouent. Mais non, on va aller faire ça à une fille. C'est pas une fille. Hein. Ah non, ça nous. Il nous reste 1 minute. Allez, dernier combat. Je crois que. Cours. Ouf. Oh le mec, comment il a bouffé. Non, mais viens de battre ta fiole. Ta fiole. Ouais, sur le flingue. Achève-le. Il ne reste plus beaucoup de temps, achève-le. Oh le connard. Oh, attends, là, je vais au flingue. Bon, y'a plus rien. Bon, allez, on se laisse. C'est terminé. 25 secondes. Ah, oh, t'es pénible. Non, c'est terminé. Bon, allez. À toutes. À plus.